Donc je vous parce que les gens qui me disent toujours moi je sais pas dessiner, alors je les prends au... ça je leur dis vous savez dessiner des patates, donc je leur dis bah, vous faites une grosse patate, vous faites une plus petite patate pour le nez, et puis après vous mettez les yeux, voilà. Alors, les yeux bah, on va mettre des... voilà, on fait des petits, voilà, puis après on fait la bouche là comme ça, on fait la bouche, puis après on fait une coiffure, donc je vous fais un autoportrait là, par exemple, et puis après bah, pour le corps il faut une autre patate, et puis on met des bras. Voilà. Et puis, voilà, à votre santé. On l'habille comme on veut. Alors après, on. Voilà, si c'est une fille, on met des seins, tout ça. Et puis, voilà. Et après, on repasse à l'encre. Et alors à l'encre, eh ben, on fait attention de petits plis. Je commence toujours par le nez. Hein. Voilà, la bouche. Les yeux, puis on y va, les cheveux. Ça, on peut leur mettre n'importe quoi. On connaît surtout les gens avec les avec leurs chevaux, leurs habits, tout ça. Les ombres. Et hop, on a les épaules. Et voilà. Vous avez une fille des oiseaux. Santé. On met des ombres. Pour réfléchir à effectivement où arrive la lumière, si elle arrive dessus, ben vous mettez des ombres en dessous. Vous. Voilà. Ça c'est l'habitude. Voilà la leçon de dessin. Après vous l'habillez comme vous voulez, faites des rayures par exemple. Je ne marche pas bien mon stylo.